Alors, bonjour tout le monde. Non, je ne suis pas habituée à faire des vidéos sur YouTube et les mettre sur Facebook, mais j'avais besoin de parler, de m'exprimer parce que je suis fâchée. Très fâchée. Parce que, dans le fond, je vous explique ma situation. Moi, je viens d'une petite ville de campagne, OK? Il est arrivé quelque chose dans ma vie. J'ai décidé de complètement m'en aller de cette ville et de déménager à Québec. OK. Au début, c'était correct. J'ai déménagé à Québec. Mais il fallait que je me trouve une job au plus sacrament, OK? Puis, moi, j'ai souvent besoin d'un coup de pied dans le cul, genre, ah ouais, go! Mais en tout cas, j'ai comme pas eu, mais j'aurais dû me le donner moi-même, mon coup de pied dans le cul, tu comprends? Mais je suis pas allée, donc je me suis pas trouvé une job. J'ai pas cherché comme j'aurais dû chercher. Je l'ai pas faite. Bon, je pars de là. J'arrive à dire. Moi, c'est ça. Dans le fond, j'ai déménagé d'une petite ville à une grande ville. Et dans le fond, cette vidéo-là, c'est juste pour faire taire les jugements des autres. Parce que ça me gosse, OK? Moi, dans le fond, depuis que je suis déménagée de ma petite ville à la grande ville, je suis devenue une personne qu'on ne connaît plus. Dans le fond, je suis devenue n'importe qui. N'importe qui. Parce que, dans le fond, j'ai changé. J'ai vraiment changé. Je sais pas en quoi, là. Le monde va peut-être le dire, là. Il paraît que j'ai changé. Mais je vais vous expliquer mes points que je pense que j'ai changé, moi. OK? Je vais y aller premièrement avec mon habillement. Lorsque j'étais dans ma petite ville, je m'habillais en campagne. Donc, je mettais des jeans. Je pouvais mettre mes petites bottes de cow-boy pour aller en ville. Je mettais mes bottes ben normales avec mon coton ouaté. Ben chill. J'allais au Walmart en jogging. Puis, c'est ça. Mais maintenant, je suis dans une grande ville. J'ai juste décidé de bien m'habiller. Puis, juste, je vais au Walmart pareil en jogging, là. Je m'en crie. Je suis même allée aux Galeries de la Capitale en jogging. Me reconnaissez-vous? Bon, c'est ça. J'ai changé mon style vestimentaire parce que, j'ai une amie designer qui, elle, m'a vraiment aidée à. J'ai des courbes. Et elle m'aide à trouver le bon morceau pour moi parce que j'ai toujours de la misère à me trouver quelque chose. Donc, puis on a même découvert que je peux pas porter de robe parce que j'ai trop de hanches. Mais bon, on s'en crisse. Donc, c'est ça. J'ai changé mon style vestimentaire. Lorsque j'étais dans ma petite ville, je me maquillais pas autant. Tu sais, vous voyez? J'essaie d'allumer la lumière, ça marche pas. Je me maquillais pas autant. Et là, soudainement, j'aime me sentir belle. Mais c'est pas normal. Le fait que je change de style vestimentaire aussi, c'est pas normal. J'aurais dû rester en jeans, en bottes de cow-boy, puis en souliers plus moches, genre me promener de même dans le Québec. J'aurais dû rester comme ça. J'aurais dû aussi juste me mettre du mascara, juste un peu, pour juste rester moi-même. Et pas changer, dans le fond. C'est tout, j'aurais dû faire ça. J'ai aussi changé mon vocabulaire. Pas juste mon vocabulaire, ma façon de penser. Oui, j'ai beaucoup changé. Je donne beaucoup plus mon opinion. Parce qu'avant, là, moi, là, ça me prenait juste l'opinion des autres. Je voulais jamais donner mon opinion. Si le monde me demandait si ça va bien, moi, ça va toujours bien.
Mais dans le fond, ça va crissement pas. T'sais, moi, ça allait toujours bien. Là, maintenant, je suis capable de dire non, ça va pas tant que ça, tu sais. Je suis capable de donner mon opinion. C'est quoi qu'il y a de mal là-dedans? Donner son opinion. Je suis restée. Moi, le monde le voit pas au loin. Il voit juste les photos des bars. Puis là, ils se disent, oh mon Dieu, il s'est rendu une alcoolique! Non! Gars, ça fait 2 semaines que je suis pas réveillée à part à ma fête. Mais... Arrêtez les fucking préjugés de merde. OK? Oui, le monde va dire quelqu'un avait fait une vidéo, là, elle a mis sur Facebook. Je m'en fous. Sérieusement, je m'en contrefous. Je veux juste que le monde arrête de dire des préjugés, de dire que moi j'ai changé. Je suis la même putain de personne. Je me sens juste comme plus belle. J'aime ça, prendre des photos et me montrer. Est-ce que j'ai le droit? Liberté d'expression, ça n'existe pas, non? Dans le fond, c'est juste ça que j'avais à dire. C'est mon chiolage du 14 janvier. Ouais. Puis il va peut-être en avoir d'autres, là, si à un moment donné, il me pogne une montée de lait, là, puis que je sois encore fâchée. Mais en tout cas, arrêtez les préjugés, puis arrêtez de dire que le monde qui change de ville, ils ont complètement changé, puis sont devenus n'importe qui. T'as juste à venir voir la personne dans sa ville, voir si elle a changé. T'as juste à venir. Si tu y tiens vraiment, hein? Bonne journée.